ok maintenant qu'on arrive enfin à mon moment favori de l'année on va pouvoir passer aux choses sérieuses le pull la veste et le chapeau. par contre je pense qu'il va falloir investir dans un nouveau parce que là il commence vraiment à se faire vieux salut à tous Eh oui donc voilà pour une toute nouvelle édition de mon type de vidéo favori c'est à dire le classement des flop top 2022 pour ceux qui me suivent depuis un bon petit moment, vous connaissez la coutume, on va entrecouper cette vidéo de flop et de top, sachant que pour cette année, on aura droit à huit films que j'ai pas vraiment aimés, en passant du très mauvais à la pire daube, et ensuite ce sera dix films que j'ai appréciés, en passant du très bon au euh, au kiff total. Voilà. Je pense que j'ai pas trouvé d'autre mot. Eh oui, ne pas changer une formule qui fonctionne, c'est ça la clé du succès. Mais avant de commencer, un petit disclaimer. Tout d'abord, il est absolument capital de rappeler que tous les films qui figureront sur cette liste ne seront issus que d'un avis subjectif, donc le mien en l'occurrence. Par exemple, si jamais je cite un film que vous, vous avez aimé, mais que moi j'ai détesté personnellement, euh, c'est tout à fait normal, c'est simplement que vous, vous avez kiffé le film en question, et moi pas du tout. Et bien entendu, ça marche dans l'autre sens. Parce que oui, c'est pas comme si mon avis, ou le vôtre d'ailleurs, était universel. Et ensuite, je me suis toujours fixé pour règle de ne pas parler des films que j'ai pas vus. Donc, par exemple, cette année, j'ai pas pu voir Morbius, Fire et quoi encore euh, d'autres films que je voulais voir, que je voulais tester, mais malheureusement, soit le temps m'a manqué, soit euh, j'avais pas simplement envie de voir et donc de ne pas trop perdre mon temps. Et à côté, on m'a reproché de parler des films qui sont faciles à démonter, donc là-dessus, il a totalement raison. Donc, du coup, on va tâcher d'être le plus constructif possible, enfin dans la limite du possible évidemment, parce que bon, il faut quand même le reconnaître, ça fait du bien de lâcher du zeste. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, et sans plus tarder une seule seconde, parce que oui, ça très tôt commence à être long, et cette année, j'ai pas vraiment quelque chose d'intéressant à vous raconter, sans plus tarder une seule seconde, on va commencer par parler du huitième film que j'ai détesté en cette année de 2022. C'est un film Pixar, il était très attendu, et il s'appelle Buzz Léclair. Buzz Claire c'est un film que personnellement j'attendais parce que comme tout le monde j'ai regardé les Toy Story, euh, du 1 jusqu'au 4, qui était vraiment excellent. Enfin, le 4 est un peu moins bon quand même. Évidemment, il est tout à fait inutile de vous présenter le personnage de Buzz et Claire qui et de base on l'a connu en tant que joueur. C'est un de mes personnages favoris du catalogue Disney. Et en plus, il a été doublé par Richard Dabois. Rien que ça. Et quand ils ont annoncé un nouveau film où on voit Buzz l'éclair version humaine, eh bien quand j'avais appris qu'ils avaient changé de voix, bon, ça ne me dérangeait pas trop parce que bon, on, on parle quand même d'un buzz l'éclair totalement différent de ce qu'on a connu euh, euh, dans notre enfance. Si je me rappelle bien, il avait été annoncé que c'était Adrien Antoine qui l'avait doublé. Et pourtant, quand j'ai vu le film, ça m'avait pas trop surpris. J'avais pas reconnu la voix en. Adrien Antoine, d'ailleurs il faut que je le précise Adrien Antoine c'est mon doubleur préféré euh non pardon, on dit plutôt euh, comédien de doublage, bref reprenons si j'étais été débilisé par rapport à la voix c'est parce qu'en fait ce n'était pas Adrien Antoine qui le doublait mais plutôt François Civil, et j'ai beau apprécier cet acteur bon il y a des moments où ça fonctionne mais il y en a d'autres où ses aigus euh, je sais pas, je trouve que ça colle pas trop perso a noter que j'ai vu ce film en version française, parce que je voulais vraiment savoir ce que ça va donner, euh, surtout quand ils disent euh, la réplique cute de Buzz Eclair, c'est-à-dire vers l'infini et l'au-delà. Et si cette réplique a été très bien retranscrite, même si ça a fini par se répéter au bout de 5 ou 6 fois. Mais bon, je trouve que parfois ça colle et c'est parfois approprié et il y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, comme tout Pixar, le film est d'une telle beauté, et on un tu une espèce de lumière rouge euh, dans une pièce bleuâtre. Le mélange de ces couleurs a donné un très bon résultat. Et du coup, euh, c'est le seul plan que j'ai retenu de ce film. Parce que bon, il y a pas d'autres plans qui m'ont marqué dans ce film. Parce que oui, malheureusement, malgré toutes ces qualités, j'ai pas réussi à accrocher à ce film. Euh, parce que bon, déjà, le personnage de peut clair euh, euh je sais pas. Euh, il m'a l'air un peu plus d'un guignol plutôt qu'un euh, qu qu personnage héroïque, comme il était censé être en tant qu'idol des enfants. Après, ça ne me dérange pas trop qu'il y ait un côté Gadfer qui ait uh, qu des défauts, euh, parce que bon, on parle quand même d'un héros à en de dire Et voilà, je trouve que ça traîne trop longueur. Et comme je l'ai dit, il y a la voix de François Civil qui, f... qui colle pas des... par moments. Ensuite, l'intrigue en soi, j'ai pas trouvé vraiment terrible. Alors, le début, j'ai beaucoup aimé parce que bon, ça raconte vraiment quelque chose par rapport à la thématique du temps qui passe, du vieillissement. Euh, notamment illustré par rapport euh, au personnage de... Euh... Euh, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'était sa coéquipière. Et juste après, Buzz l'éclair va collaborer avec sa fille. Enfin, son, sa, plutôt sa petite fille. Et après, il y deux autres guignols, mais bon, ceux je les retenais pas tellement ils m'ont fait chier. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça fait si longtemps que j'ai pas vu le film. Mais en gros, c'est un film qui a, qui a des qualités, certes. Et quand bien même, il y a des thématiques qui m'ont parlé. Quand bien même, euh, il est parfois nécessaire de déconstruire euh, un personnage tel que Buzz l'éclair. Euh, C'est-à-dire euh, un super-héros intergalactique. Moi, ouais. je trouve qu'il manque vraiment quelque chose pour que j'apprécie vraiment ce film. Et voilà, il était trop long et euh, l'évolution de puzzle n'était pas intéressante, je trouve. Et voilà, ce qui fait que j'ai pas réussi du tout à coucher. Numéro 7, Fumer, Fait tousser de Quentin Dupieux. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en termes de réalisateur français contemporain, j'ai deux préférés Quentin Dupieux et Cédric Lapiche. Mais celui-là, on en parlera plus tard. Et ce qui est bien avec le cinéma de content du Dupieux, c'est qu'il propose des films, mais il propose des choses différentes, il propose des choses... En tout cas, si un cinéaste est plus axé film de genre, et par ben plusieurs fois, j'ai été très réceptif de son travail. J'ai commencé avec Au Poste, euh, qui est vraiment une comédie noire, mais vraiment euh, une, une, une véritable pépite. Et ensuite, il y a eu quoi Il y a eu Le Dain avec Jean Dujardin, que, bon, j'ai moyennement apprécié. Il y a Mandible, qui est vraiment excellent, surtout avec Adèle Exargopoulos. Quel putain de film, celui-là en fait, il y a deux sortes de films de du contexte du pieux. ceux que j'apprécie, mais qui sont what the fuck, mais euh, que j'ai réussi à apprécier. Qui m'ont vraiment ferré, mais comme un malade. Il y a ceux qui sont un peu trop what the fuck pour que je puisse m'y accrocher. Et malheureusement, fumer, fait tousser, en fait partie. Il y a quand même quelques scènes qui m'ont parlé, comme par exemple la, la scène du début, où vraiment, euh, tu regardes ça, on dirait le sketch des biomanes des inconnus. C'est exactement ça, c'est carrément le sketch des inconnus. Et bordel, c'était trop rigolo. Et aussi, il y a quelques blagues que j'ai réussi à apprécier. Il y a quand même quelques scènes un peu tordues, parfois. you <laughs> Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour que j'apprécie vraiment ce film. Le principal problème, c'est que ça tombe trop dans du what the fuck. Euh, comme par exemple, vous avez cette espèce de rat là qui, qui bave. Et, euh, et aussi étonnant que ça puisse paraître, il réussit à coucher avec des femmes. Mais vraiment des 10 sur 10. J'aime pas trop ce terme par contre. Et par là, tu as quand même des petites histoires. Bon, il y en a une que j'appréciais, notamment euh, l'histoire euh, du masque. Euh, je vous en dis pas plus. Et il y a une autre histoire où ça part de tracteur et, ou de broyeur. Mais bon, je vous en dis pas plus. Puis en tout cas, je sais pas. Parfois, c'est un peu trop absurde. Et voilà, sans compter qu'à côté de ça, malgré que le film dure 1h17, si je me rappelle bien, euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour un film de ce genre, parce que c'est ça qui est bien avec les films de Quentin Dupieux c'est court mais c'est parfois efficace. Malheureusement, j'ai trouvé que c'est un peu tiré en longueur. Euh, bon, il y a un ou deux personnages que j'apprécie, mais bon, sans plus. Et je parle même pas de la fin qui m'a frustré un tout petit peu. Bon, même si c'est une volonté de faire une fin ouverte, mais bon, moi perso, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure des façons de faire. Bref, encore une fois, une petite déception de la part de Quentin Dupieux. Bon, je sais que sa filmographie n'était pas toujours parfaite et c'est en partie pour ça que j'apprécie le, le, le réalisateur. Et voilà, un film qui m'a laissé un goût amer. Et encore, jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que des films que, euh, qui ont, qu ont un certain degré de qualité. Et là, par contre, faites très attention car à partir de maintenant, on va vraiment entrer dans du sale. Numéro 6, les gagnants de Laurent Junka et Daz ou Az. Euh... Écoutez, je ne sais pas comment prononcer, vous n'avez qu'à me corriger dans les commentaires. Alors, mettons les choses au clair. J'apprécie beaucoup Joy Star. Bon, on dira tout ce qu'on voudra de lui. Euh, il a fait des conneries et tout. Mais voilà, il a fondé NTM. Il s'est reconverti en acteur. Euh, même si, bon, il y a certains films euh, où euh, il fait trop Joy Star. Mais bon, ça n'empêche pas que j'ai réussi à apprécier. Et à chaque fois qu'il apparaît dans un film, à chaque fois qu'il passe à la télé, je ne manque pas de le regarder. Euh, tellement, tellement le mec a du charisme, tellement le mec, euh, il a. Il a un franc-parler exemplaire, même si parfois ça fait mal, mais bon, ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'honnête. Et comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il apparaît dans un film, je ne manque pas de le regarder, ne serait-ce que quelques minutes. Et voilà ce qui fait que je me suis intéressé à ce film que je suis en train de vous présenter là actuellement. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ouais, à défaut d'être une bonne comédie, on pourrait au moins se marier un petit moment, de serait ce que la présence de Joey Star, parce que parfois, bon, euh, on va pas se le cacher, on apprécie parfois de voir Joey Star en train de faire le clown, que ce soit volontaire ou pas. Et je dis pas ça dans le sens figuratif, bien évidemment. Mais voilà, le film aurait pu être potable. Il y a des moments où sans trop qu'il fait trop son Joey Star, euh, c'est-à-dire quand il gueule, bah, il euh, bah des fois ça fait rire et des fois, bon, c'est pas. Euh, je sais pas comment dire ça Mais des fois ça fait peur Et parfois on prend ça au premier degré Et ça encore c'est minime Parce que ce problème là C'est de la chasse à côté des deux guignols Qui, qui est en train de se coltiner Parce que le aussi c'est quoi C'est l'histoire de l'humoriste Qui a déconné en live Instagram Et pour faire oublier cet incident La production a décidé de, euh, euh, de faire venir euh, deux euh, Deux autres gars qui ont gagné à la loterie euh, En quelque sorte Afin de vivre chez l'humoriste pendant quelques temps Et donc faire comprendre que l'humoriste N'est pas si méchant que ça voilà, on va résumer ça ainsi. Et comme je dis, il y a deux, trois scènes qui auraient réussi à me faire rire, d'où sa sixième place de ce classement. Mais voilà, les deux autres bouffons, j'ai pas pu les piffer. Et il y en a un que j'avais apprécié dans la vie scolaire, euh, qui était très bien, par contre, dans ce film. Et si je me trompe pas, l'autre, c'est lui qui a, qui a réalisé ce film, il me semble. Et voilà, je n'ai pas d'autres commentaires si ce n'est que ce sont des gaffeurs, euh, qui à chaque fois qu font des bourdes et tout. Euh, bon, on a qu'une seule envie, c'est de se barrer de là, ça vite fait. Ils ont été rouleaux pendant tout le film. Bon, même si ça fait partie de leur rôle, mais bon, c'est. Je trouve que c'est vraiment relou. Sans côté une scène de fin, certes émouvante, mais euh, qu'on qu s'en fout complètement. Mais voilà, le moins que je puisse dire au sujet de ce film, euh, c'est qu'à côté des euh, à, à côté des conneries euh, des uh, des, de The Tractor, euh, des deux acteurs, des deux gars qui ont gagné la loterie, et ben tout ça, c'est ce qui a provoqué la colère de Joey Star, euh, ce pourquoi on va pas se mentir, on aime en partie. Mais voilà, mis à part ça, ce film n'a absolument aucun intérêt quelconque. Et comme dit si bien Joe Star dans Les Lascar. Nique sa mère! Numéro 5, Everything, Everywhere, All at Once de Daniel Scheinert et Daniel Kwan. Everything, Everywhere, All at Once. <laughs> oh, ce qu'on dans une chanson de Barry White. Alors, ce film, curieusement, il y en a plein qui ont aimé, mais moi, perso, j'ai pas réussi à accrocher. Il nous raconte l'histoire d'un ménage qui s'est endetté, qui détient une laverie, et se retrouve au service des impôts, et après, tout est parti en couille. Mais littéralement. Et comme son titre l'indique subtilement, il s'agit d'un film plus axé sur le but je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une mode de parler du multivers en ce moment. Alors, sur le papier, c'est une très bonne idée. En plus de ça, le début, euh, j'ai plutôt bien apprécié. Le début était très sympathique, j'ai beaucoup rigolé. Et en plus, ça fait vraiment plaisir de retrouver 2001. Franchement, il m'avait grave manqué depuis euh, Indiana Jones 2 et euh, les Goulies. Et les scènes de combat, surtout au service des impôts, ils sont vraiment très bien pensés, ils sont très bien chorégraphiés. Et en plus de ça, c'est hilarant. Mais euh, si seulement ça suffisait pour que j'apprécie ce film, parce que bon, le concept du multivers, je suis pas contre. Après tout, j'ai apprécié euh, ce concept à travers le film Spider-Man New Generation. Et même dans Doctor Strange 2, on va en reparler un peu plus tard. Mais voilà, le problème se situe exactement comme dans le titre. Tout se passe partout en une seule fois. Et euh, moi, j'ai pas trop compris au bordel. Même si se sont passées des choses, même si on t'explique un peu euh, le concept de, 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 du multivers dans ce film. J'avoue ne pas avoir tout compris. Et en plus de ça, il y a plusieurs moments où je me suis endormi. Et en plus, j'ai bien veillé à faire la sieste avant d'aller à la séance. Pour ne pas trop la gâcher, sachant que le film dure en total plus de 2 heures ou de 3 heures à peu près, je sais plus quelle est la durée exacte. Mais voilà, j'ai pas tout compris, je me suis endormi. En plus, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage principal, euh, c'est-à-dire le personnage de Michel Yao. Donc, pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, notamment depuis Tigre et Dragon. Euh, Tigre et Dragon. J'ai vraiment du mal avec ce titre. Et voilà, pareil, c'est un film que j'ai malheureusement presque oublié. Euh, je retiendrai juste l'adolescente que je n'ai pas pu supporter tout au long du film. Alors après, je ne peux pas dire que c'est un mauvais film parce qu'au contraire, il présente des qualités. Mais voilà, c'est juste que moi, j'ai pas réussi à accrocher. j'ai pas réussi du tout à. à... Le film n'a vraiment pas réussi à captiver mon attention. Alors, peut-être qu'il faudrait un second visionnage pour que j'apprécie de nouveau. On verra ce que ça donnera à ce moment-là. Mais pour l'instant. C'est pas vraiment un oui pour ma part. Numéro 4, Big Bug de Jean-Pierre Genet. Jean-Pierre Genet, c'est un réalisateur que je connais pas beaucoup. Je sais juste qu'il a réalisé Amélie Poulain, Alien 4, et après, c'est tout. C'est tout ce que je connais de lui. Et quand j'ai appris qu'en 2022, il y a réalisé un film sur Netflix, euh, c'est-à-dire Big Bug, j'étais vraiment curieux de savoir ce que ça va donner, parce que, bon, même si euh, l'affiche ne donne vraiment pas envie avec, euh, avec la gueule du robot, on va en parler un peu plus tard. Et bien après avoir vu le film, force est de constater que celui-clo est un décor très intéressant, euh, un décor futuriste, un décor qui... Euh, on va pas se mentir, on a envie de se balader, on a envie d'y vivre, mais ça aurait été beaucoup mieux sans les intelligences artificielles parce que c'est le plus gros point noir du film. Alors, c'est bien connu que les films de science-fiction, les thématiques principales, c'est la révolte des machines, c'est les IA qui déconnent, donc les intelligences artificielles, c'est du vu et du revu, sauf qu'ici, ça a été très mal raconté. Mais bon, c'est pas que ça a été mal raconté, c'est juste que c'est un peu roulou. Bon, c'est un peu glauque, mais bon, c'est sûrement le cinéma de Jean-Pierre Genet qui le veut. Encore une fois, je ne peux pas juger le film sur cet aspect-là. Et voilà, le gros problème de Big Dog, c'est que non seulement thématiques ont été traitées de manière éclatée au sol. Et en plus de ça, les personnages ne sont pas choix du tout. Au mieux, ils sont naïfs. Au pire, ce sont des gogoles. Limite, on se croirait dans les anges à Dubaï, mais vers son futuriste. Et le robot, putain, mais quelle horreur. Et attention, je ne juge pas de l'acteur lui-même, parce que je suppose que c'est une volonté de la part des gens au casting de le choisir, afin de rendre ce personnage cloque, afin de renforcer le côté cloque de ce film. Mais voilà, il est horriblement agaçant. Il y a un autre robot de ce film, c'était une femme, mais je ne me rappelle plus de son nom exact. Bref, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que même si ce film... Possède un décor vraiment très attrayant. Euh, limite, on se croirait soit dans un huis clos, soit dans un dans une espèce de d'escape game. Ce qui est une qualité, je le précise. Et voilà, je ne peux rien dire de plus sur ce film, tellement je l'ai presque oublié. Et franchement, ça donne vraiment pas envie de s'intéresser au reste de la filmographie de Jean-Pierre Genet. Sauf famille Poulain. Ça, par contre, c'était un sacré film. Numéro 3, Le secret de la cité perdue, d'Aaron et Adam nee. Ok, alors celui-là, je ne vais pas trop m'éterniser parce que, pareil, j'ai presque oublié ce film. Mais en gros, c'est l'histoire. De Magic Mike, qui ici fait office de mannequin, qui se fait accompagner par Sandra Bullock, qui vont devoir partir vers la jungle pour trouver euh, le trésor. Et bien plus tard dans le film, Sandra Bullock se fera enlever par Daniel Radcliffe et retrouve le trésor, et Magic Mike et Sandra Bullock finirent heureux. Voilà, et tout ça avec la participation de Brad Pitt, bien sûr. Bon, comme vous l'avez compris, le film est prévisible à 300%, en plus de ça, on ne rit pas une seule seconde, et si je me rappelle bien, il y a même des plans centrés sur le cul de Janine Tatum, euh, franchement, c'est beaucoup plus gênant que drôle, et en plus de ça, c'est ultra cliché que des scènes badass, mais accompagné d'une musique, je ne sais plus c'est quoi le titre, je crois que je ne le jamais, euh, attendez, je vérifie... Non, désolé, j'arrive pas à retrouver le titre parce que ça date. Mais bon, de toute façon, je mettrai le titre une fois que je l'ai retrouvé. Et voilà. Que dire d'autre de ce film, ne serait-ce que peut-être Radcliffe qui fait euh, qui fait plus guignol que, euh, que 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 méchant du film. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment reprocher vu le niveau du film. Et même la présence de Brad Pitt, j'ai trouvé vraiment dispensable. Bon, vous connaissez mon engouement envers cet acteur. Et non, je sais pas, ça m'a plus gêné qu'autre chose. Bref, même s'il était conscient de sa médiocrité, et ce dès lors sa conception, je sais pas pourquoi, mais je parle de ce film comme si c'était une personne. Ce film n'est absolument ni fait ni affaire. Et petit aparté, je sais pas pourquoi, mais ce titre n'arrête pas de m'interpeller Le secret de la cité perdue. <laughs> non mais, sans déconner quoi, on aurait dit le titre d'une mauvaise parodie des aventures de Tintin. Et encore, on en est qu'à la troisième place de ce classement, messieurs dames. La troisième, numéro 2. Love and Thunder de Taika Waititi. Alors là, par contre, j'ai absolument rien compris. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais être très bref. Mais bordel! Qu'est-ce qui s'est passé On parle quand même d'un film qui a précédé Thorad Narok, euh, soit le film qui a réussi à se démarquer par rapport aux deux précédents Thor, avec un ton beaucoup plus coloré, beaucoup plus comique, avec des scènes plus, euh, euh, plus dynamiques. Bref, on reconnaît clairement la patte de Takawatiti. Et là, dans ce film Thor 4, c'est la même chose, le fun en moins. Évidemment, à côté, on prend quand même plaisir à retrouver Crips Estroth dans le rôle de Thor. Nathalie euh, Portman en tant que Mighty Thor, encore une fois, j'ai pas compris comment est-ce qu'elle est, qu est devenue... Euh, By Titor. Et mis à part cette fameuse scène où le Nord dit que se fait déshabiller par euh, euh, par Zeus, interprété par Russell Crowe, d'un coup de fouet de la paume de la main, il le déshabille di direct. Et malgré sa qualité visuelle, euh, malheureusement, ça n'a pas suffi. Et en plus de ça, le méchant, ça a été une véritable déception. Bref, si vous voulez voir ce que je pense de ce film, vous n'avez qu'à voir cette vidéo. Euh, franchement, je pense qu'elle est beaucoup plus complète que là à l'heure actuelle. Et sans transition, on va parler du pire film que j'ai jamais vu en 2022. Et ça s'appelle. The Weekend Away de Kim Farrant. Non, 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 c'est un téléfilm, donc ça compte pas vraiment. Euh, euh, Arthur Malédiction Non, ça va pas du tout. Euh, c'est un peu trop facile. Il faut quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quelque chose qui, euh, qui sonne vraiment comme une arnaque, une chose. Euh... Ah Ça y est, j'ai trouvé. Au profonde d'Adrienne Lyne. Et là, croyez-moi, je pense avoir bien choisi mon pire film de 2022, car c'est là la plus grosse arnaque qui m'a jamais été donnée dans l'histoire de l'industrie du cinéma. Et comme j'ai un peu la femme de tout vous raconter de tête, parce que oui, croyez-moi sur parole, ce film n'en vaut vraiment pas la peine, je vais vous lire le résumé version Wikipédia. <laughs> Au profonde, dit en version originale, est un thriller érotique américain réalisé par Adrian line sorti en 2022. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du roman du même nom de Patricia Icebiz. Voilà. Si vous avez vu le film, je pense que vous savez où se situe l'arnaque. Parce que oui, ce film a été vendu comme un thriller érotique. Et le seul adjectif qu'on retient, c'est érotique. Mais, érotique de quoi, en fait? Les seules scènes érotiques qu'on voit dans ce film, elles sont peu nombreuses. Et en plus de ça, sur une durée de deux heures, elles durent à peine quelques secondes. Comme par exemple, la scène où Ada Mas se couche les boubous en l'air. Ensuite, tu as la scène de la pipe, où on ne voit presque rien. À la limite, ça, c'est presque plus sexy que, que tout le reste du film. Et encore, c'est du pipi chat comparé à ce qui va se passer dans Blonde. Mais, on en reparlera. Bref, mis à part ces scènes-là, certes, c'est un thriller. Mais c'est tout sauf érotique. Sauf si peut-être vous êtes fétichiste fétichiste des pieds. Donc dans ce cas, si on considère que le fétichisme des pieds, c'est érotique, bah, niveau érotisme, vous êtes bien servi. Mais voilà, mais à part ça, l'intrigue en elle-même, ça casse pas trois pattes à un canard. Et en plus de ça, les acteurs, bon, on n'en parle même pas. Mais la fête qui fait office de cup, parce que oui, disons-le franchement, ce film, c'est une vidéo de cup de deux heures, euh, les scènes hard en moins. Et toutes les fois où il regarde sa femme en train de séduire son, son ancien camarade de classe... Ou son, enf son ami d'enfance, je sais pas quoi, enfin bref. Ça m'a carrément fait chier, on se met un peu à la place de ce gars, euh, dans le mauvais sens du terme, évidemment. Et en plus, même la partie thriller, je l'ai senti quasiment inexistant. Et puis merde quoi, on part quand même Real Line soit le réalisateur de flashback et 9 semaines et demie. Bon d'accord, 9 semaines et Demi, j'ai pas encore vu, mais par contre, Flash Dance, un grand classé que des films musicaux, euh, c'est un de mes préférés, et en plus de ça, c'est mille fois plus sexy que cette bouse. Ce film, au profond, c'est carrément de la publicité mensongère, et rien que pour ça, il mérite amplement sa première place de ce classement. Et vous savez quoi, je connais un film mille fois meilleur, ça comprend Anna Diramas en tant que rôle principal, et surtout, c'est 100 fois plus sexy que cette sombre merde. Et bien évidemment, il figure à la dixième place du classement de mes films préférés, tu parles d'une belle transition. Et ça s'appelle Blonde d'Andrew Dominic. Alors, Blonde, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Euh, si vous voulez en savoir plus, bien entendu, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais par contre, Adadir Mas, si j'ai trouvé son personnage haché dans Eau profonde, et eh ben, dans Blonde, c'est carrément autre chose tellement elle a été magnifique là-dedans. Alors, on va pas revenir sur sa prestation qui est absolument magistrale. À la limite, on aurait dit que c'est la véritable Marilyn Moreau qui joue là-dedans. Et à là, tout ce qu'il faut, la prestation, l'attitude, euh, le physique. Et tout pour à croire qu'elle est vraiment née pour ce rôle. Parce que oui, comme je l'ai dit, il y a également des scènes sexy. Bon, sans tomber dans du mois de 18, mais bon, on n'est pas loin quand même. On va pas revenir dessus, bien entendu. Mais ce que j'aime mis avec ce film, c'est qu'il nous incite à faire la distinction entre Norma Jean, soit la, la véritable identité de Marilyn Moreau, et Marilyn Moreau elle-même. Sans côté que le background est vraiment intéressant, parce qu'on parle quand même d'une star euh, hollywoodienne qui a été traumatisée par euh, l'absence paternelle, d'où le fait qu'elle euh, euh, qu s'attache facilement aux hommes. Et c'est sans côté qu'elle s'est sentie abandonnée par rapport à ce qui s'est passé avec sa mère. Et voilà, niveau réel, j'ai quand même rien à dire. Il euh, y a quand même des scènes qui sont. qu'on ose montrer, mais voilà, sans être. Euh, sans être totalement explicite. Bon, il y a certains moments où c'est explicite, mais il y en a d'autres où c'est finement joué. Et surtout, c'est un film qui m'a presque mis dans tous mes états. Surtout la fin. Bref, bah, j'en dis pas plus. Si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille vraiment ce film. Même si il ne faut pas considérer ça comme un biopic, mais plutôt euh, une fiction à part entière. il euh, y a quand même des parties de la vie de Marine Moreau qui ont été retranscrites, mais de manière romancée. Après, je comprends que des personnes n'arrivent pas à apprécier parce que euh, ils ont euh, désacralisé Marine Moreau dans ce film. Mais en tout cas, moi qui ne suis pas un fervent connaisseur de Marine Moreau, euh, moi perso, ce film a plu et, euh, ça me donne vraiment envie de m'intéresser à la filmographie entière de cette star. Voilà, en gros, blonde, je vous le conseille. Numéro 9, Uncharted de Ruben Fleischer. Alors, Uncharted, je sens que je ne vais pas me faire des potes ici parce qu'il y en a plein qui ont détesté. Mais moi, étant grand fan des jeux Uncharted, euh, surtout le, le 3, franchement, c'est l'un des meilleurs. Ah non, ce serait plutôt le 2, mais bon, j'ai du mal à choisir entre les deux. Et voilà, Uncharted, je ne m'attendais pas à grand chose, même si, bon, il y a des scènes de... de comment dire, d'acrobaties qui m'ont un peu sorti du film tellement c'est réaliste, euh, même pour un film estampillé Uncharted, parce que oui, comme je le dis dans la vidéo originelle, euh, le problème de Uncharted c'est qu'il y a des séquences de jeu euh, qui ne peuvent pas être réalisées euh, sur Face à la caméra, parce que oui, essayer de rester debout sur une caisse en plein vol, euh, accroché à un avion, en temps normal tu peux pas rester debout, à limite tu peux pas être stable, c'est impossible physiquement. Et si on a plein que ça sorti du film, euh, moi perso ça va pas trop déranger parce que quelque part je m'y attendais un peu. Mais voilà, je trouve que Tom Holland était vraiment bien en tant que Nathan Drake, euh, pareil pour euh, Mark Wahlberg qui joue le rôle de Sully dans le film en tout cas parce que dans le jeu il fait à peu près 50 ou 60 ans. Et j'avais dit dans la vidéo originale que je voulais voir la version française parce que bon pour rappel c'est Brüno quoi qui a doublé le Nathan Drake du jeu et euh, ici, euh, il double le, euh, le sully du film, ce qui fait un peu bizarre, il faut l'admettre. Mais au final, ça va pas trop déranger, ça fait certes tout drôle, mais bon, ça va quand même plus et euh, la version française de manière générale, euh, c'est plutôt euh, correct. Bon, après, si niveau de musique, c'est un peu random, euh, dans le sens où euh, les scènes d'action, on entend que des musiques de type espionnage, alors que Uncharted, c'est pas vraiment ça. Il y a une petite partie de ça, mais bon, euh, c'est plus axé aventure que qu'espionnage. Bref, rien que pour tout ce que je viens de vous dire, j'ai réussi Apprécie ce film, d'où sa neuvième place dans ce classement. Et si vous voulez en savoir plus, allez regarder cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, et sans vouloir me la péter, elle est super. Sans déconner. Numéro 8, Pinocchio de Guillermo del Toro. Alors, une petite anecdote, quand j'ai préparé cette vidéo, je m'attendais à ce que Pinocchio, version de Guillermo del Toro, euh, figurait dans le flop. Et c'est ce que je pensais vraiment faire parce que au départ, le film n'avait pas plu. Peut-être que je suis pas un grand fan de la version Disney, la version dessin animé, pas la version film live. Et voilà, la raison pour laquelle j'ai failli classer ce Pinocchio euh, dans le flop, c'est parce que certes, il y avait une direction artistique et on connaît déjà la narration de Guillermo del Toro qui est absolument formidable. Et voilà, la seule raison pour laquelle il a failli figurer dans ce flop, euh, c'est parce que le personnage de Pinocchio m'a un peu agacé et en plus de ça les chansons mais euh, j'ai regardé la version française, j'ai pas encore vu la version anglaise mais voilà c'était euh, ça m'a laissé pantois et à un moment donné je me suis arrêté en plein milieu du film et euh, quelques jours plus tard j'ai repris le visionnage et euh, forcé de constater que j'ai eu tort sur toute la ligne parce que ce film en plus d'être artistiquement ambitieux euh, ça rencontre vraiment quelque chose c'est vraiment réaliste dans, dans, dans son ensemble et à ce moment là une fois que le film est fini j'ai beaucoup mieux compris pourquoi ce film a été acclamé par le public premièrement sa réalisation qui est absolument formidable le film est majoritairement fait en stop motion chose que j'ai pas vu depuis très longtemps accompagné de quelques parties CGI notamment lors de la création de Pinocchio les personnages très attachants on s'intéresse un peu au background de Gepetto, euh que je trouve c'est vraiment très bien raconté c'est triste mais c'est très bien raconté Pinocchio qui est absolument bien il porte même pas de vêtements et c'est juste un un pantin, euh, un pantin au bois, et voilà quoi. Euh, et c'est. Euh, et j'ai ai beaucoup aimé son design, bon, même si son caractère est un peu. Euh, euh, je sais pas, un peu trop excentrique, enfin non, un peu trop joyeux à mon goût, mais bon, ça c'est un, ce un détail. Mais en tout cas, Pinocchio, de manière générale, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apprécié son design, j'ai apprécié son caractère, euh, surtout vers la fin où il finit vraiment par évoluer. Et le contexte, surtout, alors on n'hésite même pas à placer ça dans le contexte de, euh, de la Première Guerre mondiale, euh, je ne sais pas si c'était le cas dans le conte original ou si c'était également le cas dans la version Disney, il faut que je revoie ce film. Mais en tout cas, ça a été très bien mis en contexte. Il y a la thématique de la mort qui est très bien racontée, qui est absolument très bien traitée, ce qui rend cette version de Pinocchio, très réaliste, au passage. Bref, Pinocchio de Guillermo del Toro, un film que j'ai vraiment sous-estimé, et je le regrette sincèrement, et voilà. Je ne peux rien faire d'autre que de vous recommander ce film, allez le voir, parce que franchement, c'est une véritable petite merveille. Numéro 7, Doctor Strange 2 de Sam Raimi. Ok, premier et seul film Marvel que je parlerai, parce qu'il n'y en aura pas d'autres après, mais Doctor Strange 2, en tout cas, je voulais vraiment vous en parler, euh, le, le jour de sa sortie, mais voilà, il me manquait des mots, et euh, pendant un moment, j'ai réussi à les retrouver, et à ce moment-là, c'était un peu tard parce que je pouvais quand même pas lancer la critique que trois semaines après. Mais bref, dans T-Saint-Jean, c'est plutôt une bonne surprise. Euh, c'est beaucoup plus mature, ne serait-ce que par le scénario, ne serait-ce que par... Euh... Euh, ne serait-ce que par des retournements de situation. Et encore une fois, il est absolument nécessaire de regarder WandaVision pour comprendre ce qui se passe. Il y a de très bonnes scènes d'action, il y a même pas mal de violence. Euh, limite, on se croirait presque dans un film d'horreur, version Marvel. Et bon son spécial à prestation d'Elizabeth Olsen, qui a, euh, dans le rôle de Wanda, franchement, elle était vraiment merveilleuse dans ce film. Il y a un moment où l'a aimé, un autre moment où l'a détesté. Mais en tout cas, il m'a mis dans tous mes états. Et le concept du multivers, en tout cas, je l'ai mieux digéré dans ce film que Everything, Everywhere, All at Once. Et voilà. Même si scénaristiquement, ça se prend pas trop la tête, euh, j'ai beaucoup apprécié le visage de Doctor Strange et je dirais même qu'il fait partie des seuls films de la phase 4 que j'ai vu avec les Eternels et à Spider-Man No Way Home parce que bon tout le reste soit je ne les ai pas encore vus soit je les ai trouvés minables je te regarde la j'ai Hulk. Numéro 6, The Batman de Matt Reeves. Ok, après avoir fait le tour de la maison des idées, on va passer de l'autre côté du pont en parlant de l'univers cinématographique de DC Comics. Batman 2022, c'était plutôt une grosse surprise. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce film. Après, je comprends que a certains qui n'ont pas réussi à apprécier, ne serait-ce que par euh, l'acteur principal, c'est-à-dire Robert Pattinson. Et Quelque part, je le comprends parce que au départ, quand j'ai vu la bande-annonce, bah, je m'étais dit que c'était un hein... Je m'étais dit qu'il qu n'a pas vraiment la carrure de Batman. Mais d'un autre côté, dans ce film, on parle quand même de Batman tout jeune, qui a à peine deux ans de service, mais qui n'en est pas moins intéressant au niveau des Nous savons déjà que Batman, c'est un justicier expert en arts martiaux, qui arrive à battre tous les méchants d'une manière euh, plus violente que dans les autres films. Ce qui, en soi, est une qualité. On ne perd pas trop de temps avec la mort de ses parents, chose qu'on savait déjà. Et pour ceux qui n'ont l'ont pas encore vu, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas... Entre le début et la fin du film, il en a fallu du chemin pour arriver à cette conclusion. Et je ne compte même pas les autres personnages. Euh, mal je l'ai apprécié, même si, encore une fois, je préfère Michel Pfeiffer. L'épouvantail était aussi malsain qu'incroyable. Et ensuite, on ressent plus le côté détective plutôt que le côté bourrin. Et c'est en partie pour ça que j'ai bien aimé ce film. Ajouter à ça la collaboration du Chevalier Noir avec le commissaire Gordon. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, beaucoup apprécié. Et encore une fois, c'est pour toutes ces raisons que ce film figure à la sixième place de ce classement. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus je vous ramène faire cette vidéo. Numéro 5. Avatar, la voix de l'eau de James Cameron. Alors, comme c'est une vidéo que j'ai faite récemment, donc je ne vais pas revenir sur tous les points, mais en tout cas, ce film, il était vraiment magnifique, et aussi techniquement que visuellement, ça a été une véritable claque. Pour ceux qui ont vu la vidéo dédiée, je ne vous apprends rien, mais moi, partie préférée, c'est à partir du moment où la famille Sully se retrouve... Dans le territoire de l'eau. C'était magnifique, tu t'en en plein l'émirette. Ajouté à ça l'expérience renforcée par la 3D HFR. Après, je ne sais pas ce que ça donne en 4DX ou en, en IMAX. D'ailleurs, dites-moi en commentaire vos retours sur cette expérience. Et voilà, visuellement, c'était magnifique. La fois où le fils euh, euh, il devient habillé avec la, la baleine, euh, franchement, c'est la, la partie que je préfère. J'avais des larmes aux yeux, mais vous n'imaginez pas à quel point c'était très beau. Euh, c'était très. Il euh, y avait de la poésie au sein de cette scène. Et d'ailleurs, l'OAC, c'est le le nom du deuxième fils de Jack Sully et de Nediri. C'est mon personnage préféré parce que c'est le genre de fils que, euh, que tu détestes, entre guillemets. Enfin, euh, surtout parce que, d'après Jack Sully, il fait tout le temps des bêtises. Et à chaque fois que l'Oak annonce quelque chose, bah, personne ne le croit. Genre, tu cries au loup et de l'autre côté, t'as les gens qui ne le croient pas. Enfin, c'est à peu près euh, le, ce genre de choses. Et voilà, l'Oak, c'est mon personnage préféré avec Kiri, euh, la fille adoptive de, euh, de Jack Sully. Parce que, certes, c'est un gamin, mais un gamin incompris, voilà, j'en dis pas plus, vous n'avez qu'à voir la vidéo. Au mieux encore, regardez le film en 3D HFR qui plus est. En tout cas, encore une fois, ce film divise. Il euh, y en a qui apprécient plus la narration que, que la qualité visuelle. Et il y en a d'autres qui privilégient plus la qualité visuelle, euh, la qualité technique par rapport à la narration qui se veut banale au final. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Et c'est la raison pour laquelle euh, ce film figure à la cinquième place de ce classement. Numéro 4. Coupé de Michel Azanavicius. Alors là, Coupé, ça fait partie de ces films que j'ai regardé au moins 4 fois. Euh, c'est pour vous dire à quel point je me suis éclaté face à ce métrage. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez déjà que je suis infiru de l'humour de Michel Azanavicius. Vous l'avez certainement vu à travers ma critique d'OSS117.3. Je vous invite à aller voir cette vidéo si c'est pas encore le cas. Ainsi que la critique de Coupé. Mais voilà, Coupé, c'est avant tout en que un remake d'un film japonais, intitulé De Coupé Pas, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut, il est content que je m'y mette. Mais voilà, Coupé, je me suis éclaté devant et ce pour plusieurs raisons. À commencer par euh, Romain Duris, qui est vraiment euh, hilarant dans ce film. Toutes les fois, il un câble. franchement, je les DVD, et je repasse plusieurs fois cette scène. Enfin, plusieurs de ces scènes, parce qu'il y en a beaucoup. Et les autres acteurs qui ne sont pas en reste, Bérénice Bejo et euh, la fille qui joue. Euh, euh, qui joue euh, la victime, je sais plus comment elle, elle, elle s'appelle. Elle a un petit accent English, il me semble. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Mais si, comme moi, vous avez apprécié les OSC 117 et euh, que vous n'avez pas encore vu le film euh, original, et bon, je vous dis tout de suite, foncez voir ce film, vous allez attraper des barres de rire comme pas possible. Et voilà, je dirais que c'est la comédie de l'année, mais ce n'est tout de même pas la meilleure comédie de l'année. Mais on y reviendra. Numéro 3, Top Gun Maverick de Joseph Kosinski. Alors là, une excellente surprise, et surtout, un bien meilleur film que le premier. Qui pourtant est culte, même si encore une fois, c'est pas un film que je regarderai plusieurs fois. Mais bon, étant fierou du cinéma de Tony Scott, je pense que je le verrai plusieurs fois. En tout cas, Top Gun 2, c'était vraiment une très bonne surprise. Tom Cruise était très bien, franchement, il était vraiment magnifique, euh, malgré son âge. Et là, dans ce film, ça se voit clairement qu'il en a dans le ventre. Et la réalisation, putain, mais c'était vraiment énorme. Euh, je sais pas, mais dans les scènes d'avion, par exemple, tu entends le bruit, tu es complètement immergé comme si tu étais dans un cockpit. Et le plus incroyable, c'est que, à ce qu'il paraît, euh, Tom Cruise a même piloté un de ses avions. Enfin, je sais que le mec a l'habitude de faire ses propres cascades, mais dans l'avion, je suis pas sûr. Euh, Dites-moi dans les commentaires si c'est exactement ça. Mais bref, en dehors de Tom Cruise, si j'ai réussi à apprécier ce film, c'est pas uniquement dû à sa réalisation, mais c'est surtout dû à à certaines scènes d'émotion, euh, comme par exemple les retrouvailles de avec euh, Jennifer Connelly, même si elle n'a pas apparu dans le premier film, à ce qu'il paraît, je crois qu'elle a y été mentionnée, les retrouvailles avec le personnage de Kilmer, qui, franchement, sont des plus émouvantes de de toute l'histoire de cinéma, et je n'exagère même pas en disant ça, c'est la vérité. Et en plus de ça, euh, dans la vraie vie, Valkyrie est vraiment malade. Ils ont joué subtilement là-dessus, et franchement, c'était une bonne idée. Et voilà, il y a des musiques du premier film qui ont été reprises. Bon, évidemment, ça fait écho à du fan service. Mais bon, euh, ça m'a pas trop dérangé et franchement, je n'ai pas vraiment vu ça comme du fin de service à outrance. Et euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, achetez du DVD, achetez du Blu-ray, tout ce que vous voulez. Et regardez ce film dans de meilleures conditions possibles. Euh, si jamais vous avez euh, un équipement qui permet d'avoir à peu près les mêmes sensations que, euh, que vous allez dans une salle de cinéma de type IMAX ou euh, 3D. Enfin, je suis même pas sûr que Tom Cruise 2 a été diffusé euh, en 3D. Je suis même pas sûr, mais en tout cas, je peux vous dire qu'une seule chose, foncez. Numéro 2. Encore de Cédric Capiche. Je me souviens de la première fois où je vous ai parlé de ce réalisateur, c'était dans mon premier top 2019 et on avait parlé de deux mois, un film merveilleux qui met en scène deux personnages dont tout oppose, euh, qui ne se rencontrent même pas pendant tout le long du film, ou presque, avec François Civil et Alain Girardot. Et franchement, encore une fois, c'était une véritable pépite. Et là ici, on va parler de mon premier coup de cœur de cette année 2022, c'est-à-dire encore. Alors, je voulais vous en parler plus tôt, mais curieusement, je n'arrive plus à trouver les mots, et entre temps, il s'est passé des choses, mais bref, c'est pas le sujet. Encore, nous raconte l'histoire d'Elise, une jeune fille de 26 ans qui est danseuse classique professionnelle, et que suite à un accident, elle va se faire sonner, elle va se faire éduquer et euh, parce que sinon, elle ne pourra plus jamais danser de sa vie, c'est qui est un véritable drame pour elle. Et si je me rappelle bien, elle va se retirer en Bretagne pendant quelques temps, euh, le temps de pouvoir euh, guérir. Et entre temps, elle va rencontrer une troupe de danse contemporaine, et suite à cette rencontre, elle va prendre un nouveau départ. Alors, on ne va pas trop insister sur la mise en scène de cette Lapiche, qui est vraiment exemplaire, qui est d'une telle beauté mais, euh, mais d'une poésie mais vraiment mais vraiment somptueuse. Et en plus par rapport à deux mois, je l'ai trouvé beaucoup plus drôle et euh, notamment à travers le personnage de François Civil et à chaque réplique qui déballe, tout le monde a rigolé mais genre euh, tout le monde a vraiment ri de bon cœur et en plus Elise, j'ai trouvé très attachant. Je trouve que l'actrice qui l'interprète joue très bien. Euh, je trouve que elle est réussie à transposer des émotions euh, de manière subtile, je ne me rappelle plus exactement, mais il faut que je voie le film. D'ailleurs, il faut que je me mette dès ce soir. Après, bon, je ne suis pas vraiment enferru de films de danse. Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même cité Flashdance tout à l'heure. Mais à propos de cette danse, j'ai beaucoup apprécié. Bon, il y a la fin qui évidemment est absolument magnifique. Mais c'est surtout au début du film, euh, bien avant l'accident d'Elise. Euh, que, vraiment, c'était magnifique, la manière dont le film s'est ouvert, franchement, c'était vraiment très bien. C'était vraiment très beau, et en plus, ça, on est vraiment immergé dans, euh, euh, dans le spectacle. Mais bref, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai retenu de ce film, et en tout cas, une journée sûre, euh, ce film m'a tellement marqué que, dès le premier jour de la sortie DVD, je l'ai acheté direct. Si vous n'êtes pas encore intéressé à Cédric Lapiche, je vous recommande ces réalisateurs, parce que, franchement, je n'ai vu que deux de ses oeuvres, et pour l'instant, je les trouve vraiment merveilleuses. Et pour finir, le meilleur film de 2022 que j'ai pu voir, bien évidemment, je crois que je l'ai oh là, attendez une seconde. Bullet Train de David Leitch. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une manie de placer un film de Brad Pitt à la première place, euh, étant donné que la première fois, c'était Once Upon a Time in Hollywood, en 2019, qui, encore aujourd'hui, est mon film préféré de tous les temps. Mais on va en parler une prochaine fois. Pour l'instant, revenons sur Bullet Train. Alors, évidemment, le film est loin d'être parfait, mais... Je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu. C'était vraiment une éclat totale et même encore aujourd'hui, euh, quand je l'ai revisionné trois euh, ou quatre fois, c'était déjà la même chose pour Bond se Time et Hollywood. Mais là, c'est vraiment kiffant. A commencer par le casting qui a été très bien choisi. Bon, évidemment, il y a évidemment pas un film mais également d'autres personnages, euh, comme par exemple le personnage de Aaron Taylor Johnson, mon préféré de tout le film. Et en plus, sa version française est vraiment somptueuse. Tu as également cette fille, le prince. Bon, je l'ai détesté mais dans le fond, elle a très bien joué son rôle. Franchement, elle était, euh, elle est quand même bien. J'avais dit dans la vidéo que c'était une garce, mais dans le fond, quelque part, c'est ce qui fait un peu le sel de tout le film. Vraiment, son personnage a été très bien joué, je crois qu'elle s'appelle euh, le prince. Et voilà, je sais pas ce que ça donne de la version d'origine, parce que oui, je l'ai pas dit, mais ce film est tiré d'un roman. Je ne sais pas ce que le roman vaut, et en tout cas, je peux pas le juger en tant qu'adaptation. En tout cas, en tant que film, j'ai bien kiffé ma race. C'était très bien coloré, mais les personnages ont été très bien présentés, et en plus de ça, tu as dit tas de scènes insolites, tout ce que j'aime dans des comédies noires, tu as de l'humour noir comme je les aime, et les scènes de baston sont vraiment kiffantes. Bref, euh, je vois pas quoi d'autre à dire, mis à part que euh, Bullet c'est tout simplement mon film préféré de 2022 et pareil c'est un film que je verrai plusieurs fois tellement c'était un gros kiff et voilà c'est sur ces bonnes paroles que j'achète ce flop top j'espère que ça vous a plu en tout cas moi perso j'ai ça m'a pris du temps mais bon j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire tellement j'avais vraiment des choses à dire même si encore une fois il y a eu pas mal de merdes qui se sont passées au cours de cette année en tout cas moi perso je trouve que c'était une très bonne année 2022 en tout cas mieux que l'année 2020 et peut-être que je ferai un flop top des séries tv en tout cas je n'ai pas ce n'est pas sûr encore une fois je n'ai pas assez de matière à faire parce que bon j'ai comme trois séries et il y en a six ceux que j'ai que j'ai plutôt aimé mais bon, je sais pas comment je vais les répartir. Pour l'instant, c'est pas encore prévu. En tout cas, pour ma part, j'ai plutôt passé une bonne année 2022. Euh, j'espère que ça vaut également pour vous. Et encore une fois, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne en masse. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je tiens particulièrement à vous remercier de tout le soutien que vous m'apportez, avec tous vos commentaires, avec tous vos abonnements, avec vos réactions à mes vidéos. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça va continuer ainsi parce que j'ai bien l'intention de faire prospérer ma chaîne. Alors, je termine de tourner cette vidéo. On est le 3 janvier 2023, donc du coup, elle était déjà terminée. Et encore une fois, je suis désolé si j'ai pas pu sortir. La vidéo attend donc, du coup, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023 en espérant que ça va vous apporter euh, prospérité et, euh, et bonheur et santé, surtout, c'est très important. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Si jamais ça vous a plu, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, euh, la première ou la deuxième vidéo de, euh, de cette année 2023. Et sur ce, mes amis, je vous dis à très bientôt. J'ai